Tu quittes ton pays quand tu n'as plus le choix. Pour fuir la guerre. Pour ne pas mourir. Tu pars parce que tu es homosexuel, qu'on veut te tuer pour ça. Je n'ai pas la bonne religion. On peut me tuer pour ça. Si tu réussis à t'échapper, à traverser au péril de ta vie. Quand tu arrives ici, tu es devenu un hors-la-loi, malgré toi. Un sans-papier. Tu es devenu un clandestin. À la merci de ceux qui veulent profiter de toi. Je ne voulais pas vendre la drogue. Je ne voulais pas me prostituer. J'ai vu des salons de coiffure. Des manicures. Au quartier Château d'Eau à Paris. Je me suis dit, c'est bien, c'est un travail honnête. C'était ma seule solution. Tous les jours, il y a des clientes qui viennent ici, qui payent pour notre compétence. 80 heures par semaine. Depuis un an. 2 ans. On m'avait dit, coiffure, c'est 400 euros par mois. Très vite, on découvre qu'il n'y a pas vraiment du salaire. Il faut toujours quémander. Dire pourquoi on a besoin d'argent et si on se plaint. Et nous dire, je vais te faire rafler. Je vais te faire rafler. Tu n'as le droit à rien. Le gérant paye le loyer, mais pas nos cotisations. Tout le monde sait qu'on travaille là, même la police. On ne veut plus être travailleur sans droit. On veut gagner notre vie, vivre de notre travail comme tout le monde. On veut payer nos impôts comme tout le monde. Payer les cotisations pour qu'elles nous protègent comme tout le monde. Nous sommes des travailleurs de France. Dans le quartier, beaucoup de travailleurs sont comme nous. Ils n'osent pas parler, ils ont peur. Nous sommes les premiers à parler. À visage découvert. Si notre parole s'éteint, qui la prendra après nous? Si on est expulsé du salon et si on est expulsé de France parce qu'on n'a pas de papier. Si l'État ne nous donne pas raison. Ça sera une victoire pour les mafias qui nous exploitent. Personne n'osera se rebeller. Notre voix doit être entendue. Nous ne voulons pas disparaître.